monde, c'est Z. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Très nouvelle vidéo sur le jeu WWE 2K16, les gars. Donc, c'est une toute nouvelle vidéo. On va très clairement faire un match handicap de ces trois, Seth Rollins et Dean Ambrose, contre Luke Gallows, AJ Styles et Karl Anderson. Donc, il y avait une période où c'était les Usos, Ambrose et Reigns, je crois. Non, les Usos, et Roman Reigns, je crois. Dean Ambrose, je sais plus s'il était là. Et il y avait le clan de Karl Anderson et Jay Styles, en fait. Et donc, je sais même plus qui avait gagné cette espèce de petite guerre là. Maintenant, c'est plus avec les Usos, puisque les Usos, je les aime plus, sachant qu'ils sont. Qui n'ont basculé du côté des méchants. J'ai mis les entrées pour changer, puisque j'en avais un peu ras-le-bol de pas les mettre. Donc, je les ai mis sur ce coup-là. Je vais pas laisser toute l'entrée, parce que voilà quoi. Toutes les entrées au total, ça dure quand même pas mal de temps, à pas se mentir. Seft, Vrokin, Rollins. Et donc, je lui ai mis la tenue qu'il a, tu vois. En ce moment, genre. Et sachant que. Je lui ai. Sachant que cette tenue, je l'ai trouvée. Et c'est bien parce qu'elle a pas de. Elle a pas de. Putain, j'ai un trou de mémoire. Et bah là, les techniques en fait. Et cette tenue de Dean Ambrose aussi, je l'aime bien. Bon. Regarde les coups quand on dit The Superstar. En même temps, c'est les gens qui ont créé le personnage qui ont voulu laisser comme ça. Enfin, ça, je le sais. L'entrée de jeu phénoménale. On va pas se mentir que l'entrée de jeu phénoménale est stylée. Ok, bah les coups pour l'entrée d'Anderson, sachant que je l'aime pas. Bon, on va la passer. Et c'est parti, let's go, my friend. Nanana, ça commence en début de partie. Ah ouais, en début de game, comme ça. On va juste faire ça. Ça commence. Ah, il commence à prendre l'avantage. Prendre l'avantage, le style. Hey, le style. Tout le monde connaît le style et enchaînement. Je. Tout le monde connaît cet enchaînement. Et en plus, il veut que je me lève. Mais quel héros. Allez, t'as raté ton phénoménal, je sais pas quoi là. Ton phénoménal forum. Sur la deuxième corde. Si moi je m'en tiens carré, ça fait quoi? J'aimerais bien savoir. Ok. Le Enzuguri debout. Wouah! Bah, quelqu'un a eu kick à la balleur, hein. Putain de merde. Et la fin, c'est par KO, je sais même plus. Règle, ouais, par KO. Bah, j'ai bien fait de choisir lui, hein, en gros. J'aime tellement les matchs par KO. Look now. D'où tu me mets des droites, le galop. Bye. On va pas se mentir que ça fait un peu mal, quoi. Oh, mais ils sont trop chauds en secret. Sachant que j'ai mis difficulté normale, donc c'est un peu normal en fait. Non, difficulté difficile. J'ai contré ma gueule. Mais ma gueule, j'ai contré, putain. Wow, non, lui il est violent, lui il est chaud. Oh.
Propos contré par Seth, Drake et Rollins, les coups de poing. Il y va l'enchaînement, le temps de high kick bien exécuté par Seth, Drake et Rollins. L'envoie dans le coin, la prise tap team. Et oh, big box. Et fucking drop kick. Attends, juste, j'ai vu. Ok, exactement les mêmes, ça c'est bien. Ok, c'est bien ma gueule, c'est bien ma gueule. Le compte de le galop, la droite en pleine tête, le compte là. Prise à la chiquichi, bon, je sais pas les gars, j'étais un peu de au hasard, on va pas se mentir. Le compte de le galop, le coup en pleine tête et l'écrasement contre le sol de le galop. Amoureux à terre, il se relève difficilement. Le coup de coude, les enchaînements. Putain, j'aurais dû continuer mon enchaînement de coups de poing. J'ai oublié que j'avais le perfect, je sais pas quoi là. Le galop qui est en train de se faire maltraiter dans son propre coin. Le compte d'Ambrose, il l'affaiblit au niveau de la jambe. Le compte de car de le galop, la claquette porté au bas de la mâchoire, le galop qui relève son adversaire, le contre, le coup de coude en pleine tête. Oh my god, qu'est-ce qu'il fait. Et les gars, ça quelque chose de nouveau que j'ai découvert, c'est pour faire le tele cheat comme ça en fait. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il fait, il fout le way. Superplex. Je sais pas quoi ça sent le coup par derrière. Plex. Ouah, ça commence. Sur le temps, c'est du devient et j'ai mis en difficile. Mais non, j'avais même pas la visée sur lui, putain. Allez, vas-y, il faut que j'essaye de me concentrer là. C'est douloureux, on va pas se mentir. C'est quoi là? Putain, on entraide là, on est mal, moi et mon équipe. Y'a que Gallo qui est en mauvais état là. Qu'est-ce qu'il fait en position pour la fameuse Perfect Plex? Pouf, autre boîte! Le contre. Dean Ambrose, il y va. L'enchaînement de droite à Témi. Il récupère de l'endurance. Oh, Dean Ambrose qui va son adversaire en dessous de la troisième corde. Dean Ambrose, il y va. Il prend son élan. Il se prépare. Il regarde la corde. Il a une petite idée derrière la tête. Et tempête suicida. Bien exécuté par Dean Ambrose. Il prend d'énormes risques. Il a besoin de se reposer. Il passe le relais à son allié du Shield. Seth freaking Rollins, qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est énorme. Ça, c'est inadmissible. Franchement, ça me casse les couilles quand je fais une tempête suicidaire. Le mec, il. Enfin, et genre, je rate de peu comme ça, quoi.
Il le passait par-dessus ses épaules. Il continue. Et c'est dommage, Carl Anderson qui contre. La prise contrée. Wouhou! C'est complètement incroyable la tournure que prend ce match en 2v1. L'équipe de Shield arrive quand même à résister. Super kick ont esquivé. Oh, l'enchaînement de droite en pleine tête. Seth Rollins à terre. Oh, bouya. Le coup de genou en plein dans le thorax. Anderson qui laisse Seth Rollins. Seth Rollins. Boua. Comme vous le savez, le Shield sont... C'est trop difficile de contrer la vie. Wesh, mais en fait, ils sont trop imprévisibles. Enfin, c'est pas qu'ils sont imprévisibles, mais c'est que je m'attends. En fait, ils font des choses auxquelles je m'attends pas. Genre, ça, c'est casse-cou. Super kick. Regardez-moi ce travail d'équipe incroyable. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il fait? Pas bon. Et Seth Rollins qui s'occupe de Luke Gallows, qu'est-ce qu'il nous prépare? Coup de genou. Et ça continue. Bouah, bouah, bouah. Et là, le high kick peut-être. Le compte de Carl Anderson. RKO. Carl Anderson l'envoie. Le coup de pied chassé sur la troisième corde. Et Justal qui rentre dans le terrain. Oh, coup de genou en pleine tête. Le compte de Jesta, il envoie son adversaire en plein dans le coin. Mais Seth Rollins qui résiste. La même chose pour Jesta, il est passé par-dessus la troisième corde. Ouais, j'ai chaud de perdre parce que là je suis en difficulté. Je suis en difficile, t'as capté quoi. Donc c'est compliqué. Rollins qui est envoyé vers les rampes. Ouais, c'est normal parce que le mec il a son coup spécial, tu vois. Il peut me le faire à tout moment, donc. Oh, l'Hurricane Mania, il fait mal sur la rampe. Là, on peut dire que je suis comme en mauvaise posture, hein, pas se mentir. En plus, là, il a son finisher, c'est la meilleure, celle-là. Il a qu'à me faire un finisher chargé, je te parie. Ou peut-être même pas, je sais pas. Le contre. Super kick. Attends, est-ce qu'il a pédigré? Ah non. C'est mon. C'est l'autre forme qui a pédigré. AJ Styles. Et coup de genou. En fait, je vais lui taper dans la main en fait. Ah, en fait, plus tard j'appuie sur R évidemment, comme un trou. What the fuck? Maintenant c'est L. Hein. Voilà. Wow, je sais pas ce qui se passait quoi comme une sorte de bug là, mais en tout cas. Ne jamais faire ce retour devant un adversaire. Il y va, Ambrose. L'enchaînement de coups, l'élan qui le prend, bouah, évidemment. On va pas se mentir que j'ai fait quand même du taf. Je crois qu'on sera le finisher en équipe 6 en noir.
Bon, c'est pas finisher en équipe, mais c'est un truc en équipe. En tous les cas, j'aurai bientôt mon coup spécial, il y a moyen de niquer des mères, clairement. Putain, c'est un forceur Carl Anderson. Aux attaques à terre, je... Bon, je suis un peu mal placé pour parler de forceur attaque à terre, mais... Donc, qu'est-ce qu'il fait? Bon, Fred Poex. Il n'y a même pas un terrain à sauter. Le compte Boua. Putain, mais ça, j'aime pas remarqué que j'avais pas d'endurance. En plus, il a son finisher, Gallo. No wages. Et genre là, il est toujours pas là, die, le mec. C'est une blague. Ouais, je l'ai bien enculé par contre. Bouu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 
Mais non, il me contre. Mais je suis. Non, 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 non. La vie de ma mère, mais non, putain. Tu m'étonnes que je perds après, le mec, il me contre tout. Mais tu m'étonnes que je perds après, il n'y a même pas le bouton de contre. Non, mais tu m'étonnes après aussi. Il n'y a même pas le bouton de contre. La vie, il n'y a pas le bouton. Enfin, il n'y a même pas marqué R2, contre, je sais pas quoi. Et là, le mec, il a en claqué un autre phénoménal, faux. Hein. Si je savais, j'aurais fait ça plus tôt, la vie. Faut vite que je passe le relais à Seft, là. Il y a moyen de faire un bail, là. Mais la fin durée à mon frère, il va le regretter. Aou. Oh nigga. Oh nigga. No, 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 nigga. Ok, j'ai chaud aux fesses là. Mais j'ai pas contré là. D'accord. Ah, pareil, j'ai pas contré. Hein. Allez, putain. Ouais, c'est chaud, c'est un 2v2 là, ma gueule. Mais hey. Non mais en fait en même temps des fois je contre mais ils disent que ça contre pas. Oh my god, beaucoup barbe. Putain, si il me met ça à la vie, je crois que je suis die. Puis j'ai un finisher. Mais hey, ok, la vie j'ai de la chance, je suis pas die, mais... Mec. Ok, c'est bon, j'ai contré. Avec le visage en sang, on nique des mères, c'est vrai. En fait, on se passe tellement bien le relais, moi et Mbros, quoi, c'est ouf. Il est bête, il a mis à terre l'arbitre. Allez. Mais non, il m'a contré, putain.
Ouah, t'es mort, mec. Ah, il m'a contré. Allez, allez, pitcher que je contre ce finisher. Yes, j'ai contré ma gueule. S'il a assez de s'il est assez loin pour le faire, mais s'il est assez loin, franchement j'aurais mis ça pas un gros coup. Ah, il est assez loin mais il a esquivé. Moi la tête d'Ambrose, mec, c'est un prank. Enfin de Rollins. Évidemment. Mais non, mais non, mais non. C'est exagéré, mec. Mec, la vie, j'ai eu chaud. Ok, les gars, ça fait déjà un d'éliminé. Enfin, la Power Ball. Tain, il a son coup spécial. Faut toi qu'on claque son coup spécial. On a gagné les gars. Oh, je suis choqué. La vie de ma mère, je suis choqué. Non, là, je suis obligé de regarder toutes les actions. Attends, ça, je passe, je passe, je passe, je passe, je passe. Regardez, moment fort, putain. Attends, témoin. Regarde la 15, voilà. Le premier. Je suis venu de l'étude à Luke Gallo. Je crois que je l'ai fait signer, je crois. Après là, je suis venu
Je l'ai claqué un contre. Hein. Et après là, je suis venu, j'ai claqué une perfect plex. Hein. Et après là, je suis venu, tapette celui-là. Et après là, je suis venu, super kick qui a été raté malheureusement. Et après là, je suis venu, super kick qui a été contré malheureusement. Et là, super kick qui a touché l'adversaire. Et tant mieux. Et là, Ravenclaw Strike. Et là, RKO. Moi, j'appelle ça RKO, si c'est pas réellement RKO. Et là, boum. Et là, on a gagné les doigts dans les... Ils ont perdu les doigts dans les culs. Non, mais mec, on a fait... on a été trop chaud, bordel. On les a fumés. Bon, bah, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous... Vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter et partager et rejoignez la Z Team. Salut!